Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarina et aujourd'hui on se retrouve sur Sonic Crush Adventure dans la maison de Marine, sans Marine. On peut plus faire de mission du coup. Oui. Je me sens coupable de ce qui s'est passé avec Marine. Où est-elle partie? Elle est comme ça, il fallait être direct, sinon elle n'aurait pas compris. Oui, même si... C'était un petit peu trop... On se souvient que voilà, dans la dernière partie... Il y a eu des révélations terribles, là. Ça Marine est en kikino. Ça a parlé à cœur ouvert, c'est fini, hein. Là franchement... Franchement, moi j'avoue que j'arriverai pas à tolérer quelqu'un me dise « tu es en kikino ». J'avoue, je devrais peut-être y aller en sous-marin, en fait. Je pense, on n'a pas le choix, je crois. Tu peux pas aller accéder, je crois, au monde. Eh, mais c'est trop méchant, ça veut dire qu'on nous fait y aller, mais après on nous fait repartir, enfin... Comment ça se passe, ça? Exactement. Tu es enquiquinante de dire que c'est pénible. Sonic, on peut pas aller là-bas! Si, si, on peut aller là-bas maintenant. J'essaye de voir s'il y a un rythme avec la musique, mais je suis même pas sûre. Non, non. Ce qui est bien dommage. Ça se joue à l'image, comme tous les jeux vidéo. Ah, c'est Blaze qui s'est pris le coup. Hé, hey, tu fais quoi là, machin? Pauvre Blaze. Il y a peut-être un rythme, hein? Non, je sais pas. Je cherche le rythme. Le rythme, mais il est sur l'image. Il n'y a pas meilleur rythme que l'image. L'image ne ment jamais. Le son, il y a des bruits parasites. L'image ne ment pas. Non, moi je crois au rythme. Par contre, je comprends pas ce que je vois. Ah oui, non, mais... C'est pas grave, c'est l'enfer, mais t'y arrives, donc il n'y a pas de problème. Bien joué, Sonic ou Blaze. Visiblement, c'était Blaze qui conduisait, puisqu'elle avait mal tout le temps. Donc... Qu'est-ce que devrions-nous faire, Sonic? On rentre au village comme ça, on leur refait le chemin, on aime bien. J'avoue qu'il est pas très bien, le truc, parce que tu gagnes pas beaucoup de rings. Je crois qu'il est temps d'entrer dans l'antre. Non, j'ai tout passé. Tu es en kikinant. On saura pas le dialogue. Ah là là, quel dommage. Il s'est passé un truc alors que je fais rien. Observe l'image de Eou Mémé, appuie sur B pour revenir à Southern Island. Oh mais je suis dégoûtée, on peut pas recommencer. Bah peut-être que si tu retournes à Southern Island. Genre si je... Retournons à Southern Island pour l'instant. Et peut-être que ça relance la cinématique. Non bah non, on saura jamais du coup. Ah dommage. Oh, c'est trop triste. Panique, ça y est, je crois que tu as compris le truc. Franchement, on avait vraiment besoin d'aller chercher les indices pour ça. Bah oui, sinon tu saurais pas dans quel sens vous les mettre. Mais ça brille tout seul. Ne appuie pas sur l'écran tactile, Sonic. Super. C'est ouvert. Ouais, voici donc l'ordre des pirates. On ne sait pas ce qui peut arriver, alors soyez prudents. Compte sur nous. Bien, allons-y. Hein? C'est quoi? Ah, c'est son d'ancienne ruine, les démons ont vraiment saccagé l'endroit. J'imagine que les pirates ont voulu refaire un peu leur décor. Pourquoi ont-ils vandalisé ces précieuses reliques? Faut d'abord savoir où ils se cachent. Pas de problème, viens Blaze. On les stays derrière. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Au moins avant il y avait Marine, mais maintenant, il est tout seul. L'île des pirates! On va trouver le One Piece! Ah, tu vois, elle lui dit, hein. Ah, le One Piece ne peut pas m'échapper. C'est la reine des pirates, ce sera elle. Oh, je suis sûr qu'elle est, elle doit être très sympa, Blaze, avec un, avec une, avec un, une tenue de pirate. Et oui, regardez là. Elle surfe sur de l'eau, incroyable. Elle grind sur de l'eau, elle surfe même pas, tu vois. Pas besoin de surfer. C'est trop cool. Surtout quand on sait qu'elle a des chaussures de feu.
Bah, de toute façon, Blaze, elle est forcément cool à partir du moment où elle arrive à courir aussi vite en portant des talons. Donc, à partir de là... Bon, elle est certes pas aussi rapide que Sonic, mais à mon avis, ça doit être les chaussures. Par contre, c'est une petite musique toute mignonne, hein, pour une île de pirates. Enjoy ton niveau final. Mais j'avoue, on dirait pas que c'est le niveau final. Wouhou! D'ailleurs, on est où, à Venise? Non, à Pirate Island. Oups. Oh, c'est pas très gentil. Oh, est-ce que je voulais mon rail ici? Je suis pas sûr. Hein. Il est très bien ton rail. C'est le rail par terre. Ah, là, heureusement, tu l'as pas fait. Alors, Blaze a la tête dure, hein. Elle casse les rochers avec sa tête. Mais là, c'est rigolo parce que du coup, le... Oh, il m'a tué. La musique fait très bah, Sonic Advance, du coup. Enfin, on dirait des... On dirait des sons de GBA. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon. On va y arriver. Moi, ce que je trouve rigolo, c'est que, tu vois, bon, bah, il fallait un peu ce niveau. C'est le niveau d'eau, tu vois. Et il n'y a pas eu de niveau d'eau. Parce que le niveau de corail, c'était quoi? Ah ouais, j'avoue, en fait. Non, mais il fallait la difficulté, il fallait de l'eau. En fait, il y a de l'eau dans le premier monde aussi. Ouais, mais en fait, il y a de l'eau partout, en fait. En même temps, là, nous sommes dans le jeu des pieds. Ouh. C'est passé comme une brute et oh là là. Ah, non, ça va. Ça va, Blaze n'a pas besoin de respirer sous l'eau. Mais oui, c'est pour ça qu'on a pris Blaze. C'est faux. Je sais. Ouais, mais on s'est jamais dit, ouais, il y a peut-être des gens qui vont penser que oui, je suis oui, sérieux, tu vois. Blaze craint l'eau aussi. C'est un chat. Le seul personnage qui ne craint pas l'eau, c'est Knuckles. Mais qu'est-ce qu'elle me fait, là? Oh, je suis sur un dauphin, c'est trop bien. Il s'appelle Echo. Je suis un dauphin. Ah oui, le fameux. Ah, ça faisait longtemps, c'est cette phrase. C'est trop stylé, les dauphins. Non, il est mort. Il est peut-être pas mort quand même, ça va, quoi. Un dauphin ne... À part... Enfin, peut-être, on sait pas, finalement. Un dauphin s'est touché un truc dans le lit, c'est bon, c'est mort, tu vois, directement. Pour ça, les dauphins, c'est très faible. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on voit pas beaucoup de dauphins dans la vie. T'as gagné une vie. Enfin, depuis le temps qu'on l'attendait. Oh, tu l'as tué. Oui. L'eau est même le point faible des robots, finalement. Ça, pardon, des pirates. Des pirates. Pas des robots. Oh, c'est déjà fini. Je ne me permettrai pas, finalement, d'appeler des pirates des robots. Ça ne se fait pas. Ils vont comprendre qu'ils n'ont rien vandalisé du tout. C'est comme ça depuis toujours. Ah oui, voilà. Matériaux des ténèbres, maintenant. Ah bah oui, quand même. Ah oui, il y a même le dauphin sur, sur l'image de l'acte. Oh, j'ai raté. On n'est pas très doué en départ. Mais c'est parce que Blaze, elle n'est pas aussi entraînée que Sonic. Ah, il y a même le logo de Capitaine Whisker sur les murs, finalement. Il a mis sa tête un peu partout, quoi. Allez, c'est parti! Je suis censé suivre des rings, mais ils arrivent beaucoup trop tard. T'es censé connaître le niveau, surtout. Ah! C'est embêtant. C'est comme ça qu'on joue à un vrai jeu Sonic. C'est du par cœur de... Au début, tu fais le petit play-through pour rigoler, et puis après, c'est le vrai play-through qui commence. Faire un jeu Sonic pour la première fois, n'importe franchement, quoi. Franchement, voilà, tu vois. Bon, et encore, qui fait ça encore? C'est pas ma première fois, parce que j'y ai déjà joué à ce jeu, figure-toi. Oui, bah oui, mais non, mais... Mais c'était il y a longtemps, j'ai un peu oublié. Tu remontes tout en haut ou pas du tout? Ah, yes. C'est pas de par Knuckles, ça. Ah mince, il fallait venir avant une minute. Ah, d'accord. Oh, je me rappelais pas de ça. En même temps, je me rappelais pas trop de Pirate Island. C'est pas le niveau le plus marquant de la série. Bah, je dirais pas qu'il est pas marquant, mais... Oh, cool. Bon, on voudrait prendre la fontaine, s'il vous plaît. N'hésite pas à remonter, j'allais dire. Moi, ouais, qu'on peut pas le faire, souvent, je sais plus. Je sais pas ce que tu veux dire par remonter. Je sais pas, t'enchaînes les figures, c'est beau. Ah si, finalement, les tue en faisant son onde à la choper. Ouais. Je crois que c'était un truc exclusif à Sonic, mais visiblement.
parce que bon, en même temps, on voit pas, je vois pas trop les dégâts que peut faire Blaze en fonçant, mais. Mais bon, visiblement, Blaze a la tête dure, on a dit. Donc, ça paraît légitime finalement. Je pense qu'il y a des trucs qui sont fermés. Est-ce qu'on peut faire des. Non, on peut pas. C'est pas un vrai dauphin du coup. Oh, il est mort. Et Blaze aussi, du coup. Ah, il a massacré Blaze, quoi. On va voir ce qui se passait, mais il valait mieux pas. Je sais pas s'il peut booster. Je vais pas tenter. Oh, mais vous êtes méchant. À quelques secondes près en plus. J'ai pas pris le lamposte à la bonne heure. Allez, dauphin, cette fois, ne meurs pas. Ah, mais non, mais j'ai dit cette fois, ne meurs pas. Je peux pas booster, mais je crois qu'en appuyant sur le côté, je vais plus vite que si j'appuie pas. Enfin, c'est peut-être moi qui me fais des illusions, j'en sais rien. Ouais, quoi que. Oh yes! Ah oui, c'est vraiment juste pour une vie. Bah écoute, c'est bien quand même, tu vois. Je sais pas si elle le repop en plus. Ah, et là, on est bien rythmé pour une raison qui m'échappe, mais d'accord, très bien. Hein. Ah, tu descendais trop tout à l'heure, ça ne plaisait pas au dauphin. Oh là là, Blaze! Ok. Oh, une invincibilité. Je sais même pas si on a déjà une. Je crois que oui. Oui, oui, ça va. Eh, t'as même gagné une autre vie. Mais c'est incroyable, c'est magnifique, c'est splendide. Ah, et, oh, ok, on descend ensuite. C'est dommage, on court pas sur l'eau. C'est parce que ici n'est... Oh. Bon, je monte, mais y a rien qui m'indique que je dois monter. Et là, ça m'indique que je dois descendre. Oh là là, et là, je vais mourir. Ah oui, ah oui. Et non, mais vraiment, on y revient. Il faut connaître par cœur le niveau. C'est la technique spéciale. C'est la technique pour laquelle il faut prendre Blaze. Ah, mais il y avait un truc là. C'est pas grave. En général, faut pas descendre, n'est-ce pas? Jamais faut descendre, Sonic. D'ailleurs, la preuve, t'es en bas, là, tout le monde. Ouais, c'est vrai. Hein. Avec le dauphin. Super dur de voir où faut aller avec le dauphin. Peut-être que je dois pas appuyer sur le stick, là, en fait, justement. C'est le moment de prendre son temps. C'est le moment de prendre son temps, d'être calme. Hop, un petit pirate en moins. Ah, encore une vie quand même. Je me demandais si t'allais en gagner une, mais ouais, ok. Mince, fallait monter. Ah, dommage. Oh là. Bon, j'allais dire, en soi, tu peux toujours retourner en arrière. Hein. C'est vrai? Bah oui. Ah oui. C'est genre, en soi, rien t'empêche, tu vois. Nous avons perdu tous nos rings. Oh là. Alors, qu'est-ce qu'on va nous inventer? Mais oui, bah oui. Bah... Oh, Blaze, t'es bien là. Il y a un trou. Blaze est tombé dedans. Mais vous êtes méchants. Ah. Je veux faire une figure impérativement. Bon, ici on bouge pas. Ok. Ouf. Ouais, elle était. Oh, elle est quand même là, c'est cette. Enfin, j'allais dire cette fin. Ouais, c'est une fin là. Ouh, à la fin. Ouh là là, méchante un petit peu quand même. Oui, j'avoue que là, le niveau. Oh, vous m'avez donné B quand même. Vous êtes gentil. Oh, bienvenue à tous. Avant d'enfiler avec vous, j'ai quelque chose à vous montrer. Et quoi donc? Attention, Sonic! On dirait un piège. Allez, maintenant, à vous. À vos ordres, mon capitaine. Il est temps. 3, 2, 1, à vous. Oh, mal suprême, avance-toi parmi nous. Domine cette mer. Ah bah, la justice, la gentillesse n'est qu'une faiblesse. Maître du mal, montre-nous tes puissantes moustaches. Eh bien, me voici, Whisker, l'ignoble pirate. Kaboum. Parfait, c'était merveilleux.
Capitaine, capitaine, Sonic et ses amis, regardez. Alors, qu'en pensez-vous? Vous êtes mieux d'admiration, le vois moi. Sonic, je pense qu'il veut qu'on dise quelque chose. Eh bien... Arrête avec tes niaiseries et rends-moi le sceptre. Comment tu penses que ce magnifique spectacle n'est que... Niaise ! Matelot, c'est quoi des niaiseries ? Des âneries, des sottises. En clair, ils vous prennent pour un guignol. Sonic ? Un guignol ? Mais j'ai jamais été aussi sérieux. Comment hostile, moi ? En fait, Johnny, quand es-tu arrivé ? T'es en retard ! Ah, j'ai fait au plus vite, c'est pas facile de changer de direction à toute vitesse. On va comprendre, moi. Johnny, t'es de mèche avec ces types ? Alors qu'on faisait la course ensemble ! Alors qu'on était ensemble ! Ah, Sonic, je pensais pas te trouver ici, c'est l'occasion rêvée. On va faire la course. L'occasion rêvée, pourquoi ? Ah, viens, réglons cette affaire ici, maintenant. Hé, hey, Johnny, n'empiète pas sur mon territoire ! C'est moi qui ai vu Sonic le premier. Comme vous voulez, capitaine. Et je parle sérieusement, hein. Je vais peut-être donner une leçon sur la peur et la souffrance. La peur et la souffrance? Eh, Johnny, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que vous allez vous occuper d'eux personnellement. Ah oui, évidemment. Vous avez entendu, je vais vous réduire en bouillie. Vous êtes venus tous ensemble, vous êtes grillés. Ha, grillés, il a dit. Tu crois pouvoir nous vous avoir aussi facilement? Allons-y. On va affronter les deux en même temps? Ah ouais! Et Sonic t'a abandonné quand même! On aurait pu faire un 2 contre 2. Eh, doucement! Il dit ses trucs de quand on fait la course. Ah oui, bah oui! T'es en train de bourriner Johnny là! Je sais pas s'ils ont des vies différentes ou pas du tout. Ouais, j'avoue. Il y a juste écrit Johnny hein, sur sa barre de vie. Du coup, je sais pas si tu es juste en train de détruire Johnny et Moustache, il a encore plein de vie, je ne sais pas. En fait, si ça se trouve, tu peux même pas le toucher. Oui, en fait. Le boss, c'est que Johnny. Il crache du feu, là, Whisker est dans son coin, il est content. Ah, c'est quand même un sacré pirate, Whisker. Il a des bras téléguidés, franchement. Ah, je dirais que il me paraît pas humain, tu vois. Je sais pas ce que fait. Oh! Il est passé où, Johnny? Johnny, il est parti en vacances, là, c'est bon. Ah, oui, non, tu peux pas le toucher. Bon, c'est rigolo votre phase, mais il faudrait que je puisse toucher Johnny quand même. Je puisse toucher Johnny. Moi, je n'attaque que Johnny. C'est le rival de Sonic, après tout. Voilà. Ah oui, donc du coup, il faut bien battre l'autre aussi. Oh là, par contre, mauvaise idée, ça. Aïe! Ah, il veut des concombres, quoi. Il veut des concombres! Il crache du feu, quand même, incroyable! Ah bah, on n'est pas un vrai pirate si on crache pas du feu! C'est vrai, hein, après tout! On a regardé One Piece, tous les persos font du feu! Donc... Et oui! Donc c'est vrai que finalement. Tu n'es pas capable de faire du feu d'une quelconque manière. Tu n'es pas digne d'être un pirate. Voilà, ça peut être avec n'importe quoi. Ça peut même être avec une allumette, ça marche. What they say is the more the merrier, il va te dire bientôt. Ah, il est quand même impressionnant, le capitaine Whisker. Ah mince, ça m'a eu quand même. Oh, donnez-moi mes anneaux parce que... Oh mince. Bon, pas d'anneau. Pas d'anneau, hein. L'anneau est en option, figurez-vous. Oh, zéro bonus d'anneau, je comprends pas. Pourtant, il était bien, mon you combat. You cannot get me. Ah, j'ai pas eu le rang S awesome. Parce que j'ai pas eu de rings. Eh oui, bah oui, du coup.
Si j'échoue ici, je vais décevoir mon amoureux de vitesse du monde entier. Les amoureux tout court d'ailleurs. Désolé, Captain, retraite stratégique s'impose. Mais Johnny, attends, où vas-tu? Je peux venir avec toi. Alors, Whisker, on dirait que ton pote t'a laissé tomber comme une vieille chaussette, comme moi j'ai laissé tomber Blaze. Tu es coincé, rends-moi le sceptre joyaux. Bah non. Non, je peux pas, vous comprenez pas. Si je le ramène pas, vous allez tous connaître son courroux. Son? Ouais, oui, vous voyez, je peux pas vous le rendre. Il n'est pas possible de le raisonner. Matelot, où êtes-vous? Revenez ici, aidez-moi! Capitaine, désolé d'avoir été aussi long! Ah, la prochaine fois, prévenez-moi d'abord. Capitaine, regardez, il y a une sortie! Ah, joli travail. Qu'y a-t-il de si drôle? Vous voyez, le problème avec les méchants comme nous, c'est qu'ils s'en sortent toujours. Quoi? Il a fondu dans le sol, où est-il passé? Il a réussi à s'enfuir! Sonic, Blaze, regardez là-bas! C'est le capitaine Whisker sur un fond d'écran! Voilà, regardez! Hein? Mais quand a-t-il... Sonic, il y a un trou! Mince! Ça prouve bien que les méchants sont plus malins que les gentils héros! Tu n'es pas si intelligent que ça, Sonic! T'es ni tes petits copains d'ailleurs! C'est ça, dis-leur! Non, il ne faut pas les laisser s'échapper! Hein? Bruit. Bruit. Bon, c'est quoi ça? Bruit. Vous pouvez même expliquer? Vous ne m'échapperez pas, vilain pirate! Marine! Matelot, partez vite! Je vais te donner une leçon, une espèce de méchant moustachu! Je vais te donner une espèce de leçon, tu vas voir. Mais que fait-elle ici? Elle a dû nous suivre. Sonic, Marine est partie toute seule à leur trousse! Oh, je sens que ça va vraiment mal se terminer, il faut la retaper. C'est devenu beaucoup trop épique, là. J'aurais juré qu'elle était partie par là. Où a-t-elle bien pu se passer? Marine, tu es là? Sonic, Taze, la voilà! Transforme-moi en robot! Pour que tu te prends, petite peste, je vais t'apprendre à espionner les gens! Non, lâche-moi! Oh, tu résistes? Espèce de macaque ébouriffé! Macaque ébouriffé, je te conseille de faire attention à ce que tu dis, hein. Bon, voyons. Comment je vais te donner une petite leçon? Matelot, apportez l'appareil! À vos ordres, l'appareil! Que vas-tu me faire? Regarde, un engin de torture que mon maître a eu la gentillesse de m'offrir. Je l'appelle M. Chatouille. On l'a appelé capitaine. Monsieur Chatouille. Faites-lui des chatouilles! J'espère que tu n'es pas chatouilleuse, petite. Non, t'oublie pas ça! Marine! Mes amis, vous êtes venus à ma rescousse! On t'avait bien dit de ne pas partir seule. On t'avait même dit de rester, d'ailleurs. Je suis désolée. Bon, Blaze, on en reparlera ça plus tard. Whisker, relâche Marine. Tu crois vraiment que je vais t'obéir? Tu me prends pour une andouille? Si vous voulez que je la libère, jurez-moi obéissance. Alors, vous préférez m'obéir ou vous préférez la prolonger ses souffrances? Alors, peut-être que la laisser souffrir est peut-être une solution envisageable pour le futur. Parlez plus fort, j'entends rien. Bon, Sonic, laisse-moi faire. Allez, Blaze. Bonne chance. Hein? Ah, regardez, c'est le sceptre joyau! Mais comment c'est possible? Capitaine, le sceptre est là! Attendez, mais ça veut dire que... Oh, mais il y avait même un gros robot! You cannot get me! Un atterrissage chrono... Attention, Sonic, le voilà! Allez, Blaze, allons-y! Allez, vas-y, Sonic. C'est ton tour de briller. Et voilà, bienvenue contre le boss final. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va m'inventer? Ah oui, je crois qu'il faut lui renvoyer ça. Il faut peut-être casser l'autre truc. Ouais, je pense. Ah ouais, ça marche mieux comme ça. Aïe. Est-ce que je peux te casser? Oui. Ready, go. Oh, dommage.
Ah oui, avec Sonic, du coup, tu peux faire avec R, tu peux revenir un peu en, sur le côté. Et ça compte quand même quand ah, tu touches le boss. Ah, c'est devenu une musique de Splatoon. Comment ça, c'est devenu une musique de Splatoon? Ce jeu existe depuis bien plus longtemps que Splatoon. C'est Splatoon qui a tout copié. Oh, oh, oh. Missile rouge égale ah, missile ça, du bonheur. Ça me touche quand même. Oh, bah c'est bon. Oh, il est cassé. J'aime bien parce qu'il faut quand même que tu casses le canon pour ensuite refabriquer un autre canon. Alors, il est sympa quand même, il te fait pas tomber dans l'anneau, tu vois, pendant... Bon, allez, vas-y. Je sais que Sonic, son point faible, c'est l'eau, donc... Mais je suis moi-même confuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai raté quand même, je suis désolé. Mais... Nous, on n'est que des méchants après tout. Ah, il a... ah oui, d'accord, il casse le truc avec son gros truc. Il casse le truc avec son truc. Voilà, très bien. C'est très clair. Il casse son canon avec, avec son autre canon. Bon, j'ai pas compris avec R. Ça peut. Oui, voilà. Ah oui, mais quand je l'ai fait une fois, c'est fini. Oui, tu peux le faire. Je vois. Ah, il est trop sympa quand même, il te détruit les canons comme ça, c'est gratuit. Aïe. Oh, j'ai eu un peu d'invincibilité. Oula. Oh bah. Ah mais aussi là, tu viens d'entrer dans la phase... Oh, il a pas voulu, là, il était pas content. Tu l'as vexé, tu vois, à force semblerait, de... Semblerait. C'est marrant parce que le boss final m'a pas du tout marqué, je m'en souvenais pas. Je t'avoue que ce qui m'a le plus marqué c'est sa musique que je trouve très très sympa. Oui, la musique je m'en souviens. J'aime beaucoup la musique du boss. Ce serait bien que je les mette dans le bon sens. Bah attends, mais comment quoi mais... mais c'est son coup de poing. Ah d'accord, ok. Oh non, j'aime pas quand les rings ils volent beaucoup comme ça. Le jeu te dit faut appuyer sur A. Appuyez sur A s'il vous plaît. Ah, je peux pas récupérer les rings. Du coup s'il me tape, c'est fini pour moi. D'accord. J'imagine que ça va se rapprocher à un moment donné. Ah, mais c'était le petit passage un peu à suspense. Est-ce que tu vas gagner ou est-ce que tu ne vas pas gagner? Il a gagné. Ah, super. Et encore des petits matériaux. Oui, parce que bon, Whisker et Johnny, c'était pas des vrais boss. Magnifique glissade, Sonic. Ils sont trop mignons hein, sur avec leur petit modèle 3D de la DS, Sonic et Blaze. Regarde comme c'est beau. Regardez un coucher de soleil entre amis, c'est sympa. Ah, c'est enfin terminé. Oui, fini les ennuis. À ce propos... Marine. Que pourquoi essayais-tu de pourchasser les pirates toute seule? C'est vrai, Marine, c'est beaucoup trop dangereux. Mais c'est-à-dire que, comme je suis la capitaine, je pensais que c'était le moment de faire mes preuves et d'en faire un peu plus. Tu oublies que nous étions très inquiets. Je sais, je n'ai pas... Ah, t'en fais pas, le principal c'est que tout soit rentré dans l'ordre. C'est vrai, mais dorénavant tu devrais être plus prudente, Marine. Bon, d'accord, je ferai de mon mieux. Blaze, au sujet du sceptre des joyaux... Il a dû couler avec les pirates, je suppose. On a peut-être encore une chance de le retrouver. C'est gentil, mais je pense qu'il doit être au fond de l'océan. Hé hé! Qu'y a-t-il, Marine? Ce ne serait pas ce sceptre, par hasard? Le voilà! Hé, hey, le sceptre joyaux! L'unique! Je l'ai volé lors de ma capture, quand le moustachu ne regardait pas. Bien joué, Marine!
Bravo. Oh, ce n'est rien. Tiens, Blaze, prends le sceptre joyau. Merci. Hé hé. Et si on avait échoué, que te serait-il arrivé? Marine, la prochaine fois, évite de te mettre ta vie en danger, d'accord? D'accord. Bon, bah, retournons au village du moulin. Bonne idée, Sonic. Il me tarde de rentrer pour raconter mes aventures à tout le monde. Comment on va faire pour retransporter l'autre bateau? Évidemment, personne ne me croira si je dis que j'ai récupéré le sceptre. Enfin, c'est le sort des enfants. On ne les croit jamais. Hé, Marine, qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, j'arrive! Vous verrez, un jour, je serai capitaine pour de vrai. Mais pourquoi elle dit qu'on croirait pas? Enfin... Parce que c'est une enfant, et on mais croit pas dire, les enfants. Mais je veux dire, il y avait les autres... Voilà les crédits. Bien joué, félicitations, tu as fini le non, jeu. Non, non, moi je sais que le jeu il est pas fini. Si, si, j'ai fini là. Non, bah si, il est fini, les crédits, c'est fini. Je me souviens de choses, je suis étonnée là. Pour moi, ça c'était le milieu du jeu. Le milieu du jeu, bon, quand même pas. Non. Mais non, c'est, non. Vrai que, c'est vrai qu'en réalité, il y a encore pas mal de trucs à faire. Parce que comme vous pouvez le constater, on n'a pas fait toute l'émission. Oui, et puis on n'a pas vaincu Johnny. On n'a pas vaincu Johnny, oui c'est vrai que mon labo, on l'a beau avoir... Mais il est parti, c'est vrai. Donc en fait, on n'a pas encore battu totalement. Donc, il nous reste encore deux Chaos Emeralds à récupérer et après... Et les Sol Emeralds? Oui, mais c'est pas Johnny qui les a. Oui, c'est vrai. Donc c'est... on s'en fiche des Sol Emeralds. Non, on s'en fiche pas. Bref, enfin, en tout cas, j'espère que ça t'a plu, en tout cas... Bah j'allais dire, oui, voilà, c'est sympa, on s'amuse bien, on se cogne partout, et puis on se cogne ça va partout. Vite. C'est très bien, c'est très C'est bien. Très rapide. Et toi alors, qu'est-ce que ah, tu bah, en penses? Ah bah très bien, très bien. Tu vois, c'est écrit Tomoya Otani en fait. Hein. Mais oui, c'est normal. Et il y a aussi Seiro Okamoto et Mariko Namba. Ils sont trois. Ouais, ils sont trois. Très bien. Mais j'aime beaucoup l'OST de Sonic Rush Adventure. Hein. Ça, je ne répéterai jamais assez, mais... Meilleur jeu. Ah oui, à ce point. Ah. Oh oui, non, l'OST de Sonic Rush Adventure, ouais, j'aime vraiment beaucoup. Bref, en tout cas, c'était très très sympa d'en découvrir le jeu parce que... Bon, finalement, j'aime beaucoup le jeu, mais j'y ai beaucoup joué pendant une période et maintenant... Ah, je l'ai un peu oublié, effectivement, avec le temps, mais maintenant on a refait le jeu, c'était très drôle. Il y avait pas mal de dialogues, et puis le personnage de Marine, bah il est très sympa. Mais oui, c'est même si personne c'est Styx, ne l'aime. C'est Styx du passé, du futur oublié. Mais c'est la pas pauvre. Grave, elle revient, elle revient un peu nous hanter parce que elle dit qu'elle deviendra une vraie capitaine, et finalement, bah elle n'est toujours pas capitaine dans Sonic Boom, mais au moins, elle est revenue. Ah, tu penses que c'est quand même Marine qui est revenue? Non, je dis des bêtises, mais... C'est pas du tout les mêmes... Ah, quoique... Non, c'est pas les mêmes animaux. Non, mais non, c'est pas les mêmes animaux, c'est... Elles ont les mêmes couleurs, elles ont le même comportement, mais c'est pas les mêmes. Je sais plus ce que c'est, Styx, c'est un... Bah, je sais en anglais, mais en... Ouais, bah, en bléro, voilà. Ouais, bléro, voilà, c'est ça. Styx, le bléro. C'était réécrit musique Tomoya Otani, au cas où au vous êtes cas où sûr. T'as pas compris, quand même. Ouais, mais tu vois, à tort, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas Tomoya Otani qui a fait l'OST de ce jeu, parce que Sonic Rush 1 n'a pas été fait par Tomoya Otani. Donc du coup... Et oui, en réalité, on vous a menti toute votre vie. Il fallait juste lire les crédits. Finalement, c'est à ça que ça sert. Merci pour playing mon jeu. Ce n'est pas fini, regardez. Oh, le capitaine Whisker, incroyable. Ramasse toutes les Chaos Emeralds et les Sol Emeralds. Tu as une nouvelle mission. Sachant que oui, du coup, il n'est pas possible d'avoir toutes les Chaos Emeralds tant qu'on n'a pas fini le jeu, parce que, bah, comme vous pouvez le constater, il y a des Johnny qui sont un petit peu trop rapides. Et les Sol Emeralds, bah voilà. Mais ça, on le verra dans la prochaine partie. Et oui, merci à vous d'avoir regardé cet épisode, et à bientôt pour une prochaine partie. Au revoir tout le monde. Bye bye.